Salut tout le monde, c'est Daika, j'espère que vous allez bien. C'est parti aujourd'hui pour une petite vidéo concernant un événement très important pour ma team. Vous voyez sur le screen à l'écran, je sors donc du Kralamour géant avec ma team et sur l'Inner Ipsa, regardez, une petite âme du Kralamour qui est donc la fameuse relique pour avoir le Dofusocre tant convoité. Donc c'est parti, donc je vais voilà, vous montrer l'âme du Kralamour, la voici. Avec la gargantuesque pierre d'âme parfaite. Donc c'est vraiment parfait. Donc maintenant je vais aller voir Otomai afin de rendre cette relique et d'avoir mon Dofusocre sur l'Enir Ipsa. Donc enfin, franchement j'aurais bien galéré, j'aurais également bien dépensé avec les archis qui manquaient pour faire cette quête. C'était quand même assez... C'était quand même assez épique, hein. Il y avait quand même beaucoup d'archi que j'ai quand même acheté. J'en ai, on va dire, j'en ai acheté, on va dire, allez, une petite cinquantaine environ sur les 280 et des brouettes qui y a au total. Donc voilà, c'était, ouais, c'était un peu pour les plus vite aussi, hein. Donc voilà la petite Annie qui va clôturer sa quête, qui aura un très bel ornement ainsi qu'un très beau titre. C'est plutôt pour le titre que je le veux, parce que l'ornement, bon, au final, il est assez classique. C'est vrai que celui des 6000 points de succès que j'ai actuellement est plutôt sympa également. Donc voilà. Alors c'est parti, on va aller parler à Monsieur Otomai qui se situe donc tout en haut de l'arbre. Donc on va aller passer devant le Kimbo. Le fameux Kimbo, donc voilà, un quête qui va se terminer aujourd'hui, donc le 30 octobre. Bon, c'est vraiment très sympa, hein. J'ai quand même bien galéré à faire cette quête. C'est vrai qu'aussi c'est très très long, hein, à faire. C'est quand même plusieurs heures à trouver des monstres, à essayer de choper des archis, etc. Donc à savoir, là j'ai encore donc deux quêtes après celle-ci à faire. Donc j'ai la quête sur le Xel et sur l'Eka. Donc j'en suis aux archis, hein, pour les deux. Donc ça devrait aller quand même assez vite, mais bon, tant de trouver les archis, trouver les sous pour les acheter, etc. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Nous voici donc dans la fameuse pièce, la pièce finale, avec ma petite Enir Ipsa sous swag. Hein. Et je vais parler maintenant à Otomai. Et voilà, c'est terminé, vous avez donc obtenu le fameux ocre, avec donc la quête qui se termine, Éternelle Moisson, enfin. Et deux succès en plus, donc on va voir tout ça. Côté succès, donc il y a la fin de l'éternité avec le titre. Et le trésor d'Otomai avec l'ornement. Voilà. Alors on va mettre déjà tout ça, avant de s'occuper franchement de la récompense. Donc ça c'est les récompenses, on va dire annexes. Voilà, maçonneuse. Et on va mettre le titre, parfait. Ah, ça rend classe, ça rend super bien. Franchement, assez stylé. Ah j'adore. Ah j'adore, franchement c'est excellent. Super. J'adore. Et maintenant, on va ouvrir l'inventaire et le voilà. Oh là 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 là. Un deuxième. Un deuxième, un deuxième, un deuxième. Ah, je suis tellement content, je suis tellement satisfait. Voilà. Un petit stuff, donc attendez, je vais remettre le stuff normal. Équipement rapide, voilà. Et je vais le mettre à la place... à la place du ravageur, mettons. Je fais ça un peu vite fait, hein, juste pour vous illustrer. C'est peut-être pas les choix finaux non plus. Et voilà, 12-6. Vraiment, hein, 12-6 enfin avec les Nripsa. Ah, c'est stylé, j'adore. Donc avec, je rappelle, un Exopm et un Exopa. Les Nripsa est donc en 12-6 maintenant avec Locke, donc c'est super. Ah franchement, je suis super content, c'est très bien. Voilà, donc une quête vraiment qui s'achève. Vous voyez encore, j'ai tous les autres archis pour les autres persos, donc j'en ai encore pas mal à trouver. Voilà, donc la petite Nripsa qui se fait avec un beau titre ainsi qu'un bel ornement. C'est super la classe. Voilà, pouce vert pour ceux qui aiment cet ornement et ce titre. Je trouve ça super classe, franchement. Donc voilà, c'est sur ça que cette vidéo va s'achever. Donc j'espère que, pardon, vous avez aimé. Et on se retrouve donc très vite et très prochainement pour de nouvelles aventures ainsi que de nouvelles vidéos. C'était Daika, je déconnecte. A plus!